Merci beaucoup. Non, non, mais c'est pas fini, hein. Non, 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 c'est pas du tout fini, vous inquiétez pas, ça continue. Ça continue même tout de suite. On va donc respirer comme on a dit là. Deuxième rang, troisième rang, quatrième rang. Enfin, surtout deuxième et troisième, parce que les autres, ils ont encore un petit peu de temps. On va continuer donc avec ce répertoire-là qu'on a construit avec deux groupes fantastiques. Mais vous allez voir. On va accueillir le premier groupe. C'est parti. Choisissez les chansons. Et la première. Oh, ils sont beaux! On peut les applaudir encore! En vert et bleu, ils sont magnifiques! La première chanson, c'est un tube qui s'appelle Résiste. Sur une musique sans âme.
issu d'une famille arménienne, il galère dans Paris dans les années 50, avant de fréquenter Édith Piaf, qui l'accompagnera à ses débuts. En 1965, il coécrit une chanson qui évoque l'insouciance et la liberté totale qu'il a connue dans un Montmartre idyllique qui, hélas, n'existe plus. Je veux parler de la bohème de Charles Aznavour. J'espère que vous la chanterez avec nous. Merci. Thank you.
ayant vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne persiste. Dans son nouveau décor, mon Martre semble triste et les lilas sont morts. Chanter par contre. Une petite devinette pour vous maintenant. Dans les années 90, faute de succès, cet artiste ose tout plaquer en France pour s'installer à New York. Claude Nougaro. Il y a de la triche là. À New York donc, là il retrouve l'inspiration. Il nous revient, gonflé à bloc avec New York, un morceau très rock qui lui vaudra une victoire de la musique en 1987. Donc vous l'avez reconnu, c'est Claude. C'est Claude. Merci. Cette ambiance lascar, diction, articulation. Thank you.
parce que je vais me planter, c'est sûr. Mais par contre, on va leur faire un beau salut. 1, 2, 3, salut! Merci beaucoup. C'était le groupe avec lequel on a travaillé, donc comme vous l'expliquait Jérôme, depuis le mois de septembre. C'est ce que je disais, il y a du potentiel dans cette salle. Et on va enchaîner avec le deuxième groupe, avec un petit ballet de placement, déplacement. Vous avez vu s'ils sont top, s'ils sont point, si c'est fantastique. Alors, je vais en profiter pour remercier l'équipe technique. Parce que Jérôme, il a dit les noms de tout le monde. J'ai pas besoin de les redonner. Si, je voudrais quand même remercier Vanessa, quand même, vraiment, parce que Vanessa. Toute l'équipe du théâtre. Et puis, dans l'équipe technique, on a notre régisseur qui est avec nous, qui s'appelle Isaac, et qui est fantastique, qui est là derrière Isaac. Et puis, il y a toute l'équipe technique du théâtre avec Cédric, François, Charles-Élie et Franck qui fait la lumière. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Alors voilà, ça continue. Et c'est Fabienne qui va vous présenter la suite. Comment t'es au micro, Fabienne ? Ça devrait aller, non ? Ça va ? Alors, on va vous proposer un petit voyage pour commencer. On va vous emmener dans le Sud. Le Sud, donc, une chanson de Nino Ferrer, bien sûr que vous connaissez, dont les paroles lui ont été inspirées par l'ambiance des belles demeures de l'Italie, de la Nouvelle-Calédonie, où il a passé une partie de son enfance. Le Sud, le soleil, quoi. Voilà, on vous emmène. Thank you.
tombée du ciel, une chanson de Jacques Higelin, issue de son album du même titre en 1988, chanson écrite en hommage à son idole Charles Trenet. Yeah.
On va vous présenter le dernier morceau de ce groupe formidable. Vous avez vu, au niveau des couleurs, on est bien aussi, hein. On allait au bord de la mer avec mon père. Vite! On allait au bord de la mer avec mon père, ma soeur, ma mère. Une super nana, super nana, une super nana. Un peu parti, un peu naze, descend de la boîte de jazz. 18 albums, chanteur, comédien, écrivain, il a encore plus d'une couleur à son arc. Et ce soir, pour vous, nous allons et reprenons pour son chanteur de blues. Joueur de blues. Joueur de blues. Brigitte, elle a craqué, mais ça valait le coup, c'était Brigitte. Ouais, ça rigole pas, là. Alors. Attention, les gars. Tout le monde est prêt là ? Attends. Thank you.
juste deux choristes sur le plateau. On les applaudit bien fort. Alors celle-là, vous la connaissez aussi. Et l'idée, c'est qu'on la chante vraiment avec vous, cher public. Vous allez chanter avec nous, vous allez voir. Parce que c'est une chanson qui s'appelle... On va pas vous le dire, vous allez voir. Ah. Est-ce que vous êtes prêts, tous les gens qui... Vous êtes proches des micros ? Qui est-ce qui va en fait ? Nickel. Du tube, rien que du tube. Je voudrais qu'on réapplaudisse une fois quand même. Bernard et Samuel. Et une mesure de beatbox et c'est parti. Yeah.